Eh bien, autant j'ai eu d'intérêt et de curiosité pour Dora de Manège, autant j'ai eu d'amitié et d'amour, et j'ai toujours d'amitié et d'amour pour Casque d'Or. Casque d'Or, c'est un peu ridicule de dire ça, mais je vais le dire quand même. Casque d'Or, c'est un film que j'aime exactement comme si je ne l'avais pas fait. Vous savez, quand nous autres, nous revoyons nos films, nous nous regardons, nous, dans le fond. C'est comme ça que ça se passe, je crois, pour presque tous les acteurs. Casque d'Or, non. Casque d'Or, c'est le seul, je crois, des films que j'ai fait, que j'aime comme si je ne l'avais pas fait. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais enfin, je veux dire par là que je subis le charme de Casque. Et je m'aperçois que je deviens de plus en plus ridicule, parce que tout de même, je suis dedans. Mais c'est très sincère quand je dis ça. C'est vraiment un film qui a pour moi un charme mystérieux que je subis comme si je ne l'avais pas tourné. Dans Casque d'Or, je ne vais pas encore vous répéter qu'on s'est amusé parce que vous finiriez par croire que dans le fond, il ne s'agit que de s'amuser en faisant ce métier. C'est un peu vrai, il y a aussi d'autres choses. Quelquefois on fatigue, quelquefois il fait très froid et on tourne avec une robe très légère et quelquefois... Et les horaires sont durs et... Mais enfin... Avouons-le, c'est quand même très amusant. Bon, alors, dans...